Salut tout le monde, c'est Torlink et bienvenue pour le 8ème épisode de mon Let's Play sur Undertale. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve après avoir fait l'émission de cuisine de Metaton. On avait un petit peu des choses un petit peu extraordinaires. On était allé chercher je sais plus quel produit. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné. Tout en haut de toute une montagne de choses. Voilà, c'était pour l'ingrédient secret. Et on l'avait récupéré parce que à la base il voulait nous utiliser comme ingrédient, mais on a réussi à l'en dissuader. Donc du coup nous avions fait ça et nous étions sortis, donc je propose de continuer tout de suite. Ding, voilà, je me fais déjà agresser. Tu vois ce bâtiment loin? C'est le noyau, la source énergétique de tout l'autre monde. Il convertit l'énergie géothermique en électricité magique grâce à... bref, c'est là où on se dirige. Dans le noyau se trouve un ascenseur qui mène au château d'Asgore. Et depuis là-bas, tu pourras rentrer chez toi. Clic. Ok, donc depuis le noyau, on va pouvoir atteindre le château d'Asgore. Avec ça, peut-être, sans doute. Bonjour. Oh. Veuillez choisir un étage. Étage 3-2. Je sais pas. Oui. C'était là. Bonjour, toi. Moi, c'est Touf Touf Flamme. N'oublie pas mon nom. Ok. Touf Touf Flamme. Oh, Sans! Eh, petite tête, code 9. Doc, ça te tente? Seulement 30 PO. Bah, vas-y. Merci le mioche. Voilà ton Doug. Ouais, Doug. Approsoft Doug. Diminutif de hot dog. Merci. J'adore les hot dogs. Hey, c'est bizarre qu'il y ait de la neige sur le toit du gars, non? J'imagine qu'il est juste trop paresseux pour l'enlever. Bah, en même temps, c'est Sans, quoi. Je me chauffe les miches. D'accord. Je vais t'acheter un deuxième hot dog. Parce que, écoute, ça fait du swing. Un autre dog. Oups, en fait, il me reste plus de hot dog. Tiens, tu peux avoir un hot cat à la place. Est-ce que j'ai vraiment eu un hot cat? Oh merde. Info. Soigne 21 PV, comme un hot dog, mais avec des oreilles de chat. Oh non. Soigne 20 PV, la viande est en fait constituée d'une quenouille. Oh là 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 là. Je t'en prends encore un. Mais du coup, là, c'est que des hot cats. Et un autre hot dog au-dessus des autres. T'as l'air de beaucoup aimer les saucisses chaudes, toi. Hein? Oui. Eh, je ne juge pas. Je serais au chemin si j'avais pas de client comme toi. Bah écoute, je libre à moi d'aimer les saucisses chaudes, hein, voilà. Voilà. Ah. Alphys a posté une photo. Dîner avec ma petite copine. La photo montre une figurine de fille chat à côté d'un bol de nouilles instantanées. Ok. Squelette BG95 a posté une photo. Alors, on poste des photos sexy? Ça, c'est moi avec mon pote BG. Sur la photo, Papyrus montre ses muscles devant un miroir. Il a des lunettes de soleil. Des biceps géants sont collés sur ses bras. Les biceps portent également des lunettes de soleil. Wouah, quel BG. Ok, petit combé. Un pirolier se balance vers eux. Ok. Je vais le refroidir. Vous soufflez sur pirolier, ses flammes s'affaiblissent. L'attaque de pirolier diminue. Brrr, c'est quoi l'embrouille? Ah, oui. Je suis obligé de me faire mal en fait. Invité. Vous tentez de vous lier d'amitié avec pirolier. Désolé, j'ai les mains liées. Oh non, quel dommage. Boum. 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 Ça sent la ficelle brûlée. Je te réchauffe. Vous augmentez le thermostat. Pirolier sans monter l'excitation. Chaud chaud. Brûlant brûlant. Ah. Boum. 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 Ok. Si je réchauffe encore. Ouf. Ça chauffe. Il apprécie. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Ah.
Merci, merci. Vous obtenez 0 XP, 45 PO. Ça devenait très dur. J'arrive plus à parler. Très dur à lire. Alphys a changé son statut. LOL, squelette BG95. C'est une blague, j'espère. Squelette BG95 a changé son statut. La seule blague ici, c'est la force démesurée de mes muscles. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ring. Bonjour, c'est le docteur Alphys. Cette énigme me semble basée sur le timing. Tu vois ces interrupteurs là-bas? Tu vas devoir appuyer sur les 3 en même temps de 3 secondes. Sur 3 en moins de 3 secondes, oui. Je vais tenter de t'aider pour le rythme. Clic. Ok. Ah. Eh, hey, on dirait que tu devais juste appuyer sur deux d'entre eux. Ouais. Tu fais bien de m'aider, toi. T'avais plutôt intérêt. Dernière fois que j'essaie d'aider pour une énigme PTDR. Oh. Je vais aux toilettes, donc je serai à AFK un petit moment. Je suis sûr que tu peux résoudre cette énigme sans mon aide. Non, 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 jamais je ne pourrai. Ok. Par là. Du coup, ben, je suis obligé d'aller par là. Donc, on va par là. Donc, on va par là. Je décide d'aller ici. Je vais ici. Pour aller ici. Ici. Fuck. Ici. Ça va servir le même. D'accord. Ok, bon ben, j'aurais fait une petite ellipse parce que ça m'a pris du temps. Genre beaucoup de temps. J'étais trop con pour trouver tout seul. Oh my god, les gens pensent que Mew Mew 2 est meilleur que le premier. MDR, c'est une blague, j'espère. Oh là 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 là. Savoir qu'un jour, peut-être, la souris arrivera à hacker ce coffre et prendra le fromage. Cela vous emplit de détermination. Oui, j'ai bugué sur le coffre, parce que... voilà. Il y a un morceau de fromage à l'intérieur de ce coffre-fort laser informatisé. Les lasers ont fait fondre le fromage sur les bords. Il est collé à la table. Est-ce que ça fait le petit bruit? Oh oui. Trop bien. Oh my god, mais il urine complètement tout l'arc de Mew Mew. Je crois qu'elle est vénère. Mon avis sur Mew Mew 2. Mew Mew Mimi Bisou 2 n'est ni Mimi ni Bisou. C'est naze, 0 sur 5. Oh là là, mais calme-toi. Calme-toi. Hé, hey, toi là. Pas un geste. Hein, bonjour. On a, genre, reçu des plaintes anonymes à propos d'un humain avec un pull rayé. On nous a dit que l'humain se trouvait quelque part à Cassiter, là, maintenant. Je sais, c'est effrayant, hein? Mais bon, relax, hein? On va t'emmener dans un endroit sûr, ok? D'accord. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, poteau? Le pull du fauteur de trouble? Eh bah, qu'est-ce qu'il a? Oh mon dieu! Poteau, tu penses à ce que je pense? Trop la loose, c'est vraiment genre méga embarrassant. En fait, c'est... on va carrément devoir te tuer et tout. Ah ouais? La garde royale attaque. Ok. GR1 et GR2. On va... murmurer. Vous persuadez GR1 d'être honnête avec ses sentiments. Genre 1? Hein, je piche pas. Attaque en duo! Ok. Bon, ça va encore, ça va. Ça sent le camp d'entraînement d'animalier. Je murmure encore. Vous persuadez GR01 d'être honnête avec ses sentiments. On va les foutre ensemble. Aïe.
Ah, il y avait marqué quoi? De la sueur ruisselle le long de l'armure de 02. Murmure. Vous raconterez votre plus beau secret à 02. Oh là là, vous êtes pas géniaux les gars. Aïe. Ça va que ça fait pas trop mal. De la sueur ruisselle, on va lui nettoyer l'armure. Vous nettoyez l'armure de 2. La crasse qui la recouvre commence à partir. Ça chauffe là. Ah, ça soigne. Nye. Je lui nettoie l'armure encore. Ça chauffe là. Genre, don't on am, Coco. Nope. Eh. J'en peux plus. Fait trop chaud. Ouh. Beaucoup mieux. GR1 semble préoccupé par quelque chose. Je me demande par quoi. Allez, on nettoie l'armure. Allez. Vous essayez de toucher l'armure de GR1, mais vos mains glissent dessus. Genre, bats les pattes, quoi. Non, mais ça va, les gars. Ah, je fais de la merde. De la sueur ruisselle le long de l'armure de 02. Allez, on va lui murmurer. Vous persuadez GR01 d'être honnête avec ses sentiments. Mec, j'en peux plus. C'est plus fort que moi. Genre, 02, je veux dire. Genre, je te kiffe, tu sais. Ta façon de te battre, ta façon de parler. Et j'aime trop nos attaques en duo. J'adore quand on reste là, tous les deux, à faire tournoyer nos armes en synchro. 02, je veux que ça continue comme ça. Bouya, je t'ai eu, mec. 01. Ouais, mec. Ça te dirait d'aller manger une glace après ça? Carrément, mec. 01 et 02 se regardent l'un l'autre d'un air joyeux. Allez. C'est beau l'amour. Ah là là. Il n'y avait pas un poisson de garde juste avant. On va aller se soigner. Je vais me soigner. Salut. Ah là là. Je les avais oubliés ceux-là. Enfin bref. C'était un petit combat bien sympa, hein. Un petit bien amusé. Alphys a chargé son statut. Oups. Attends, je me demande comment l'humain s'en sort. Allez, elle va m'appeler. Top 10 des séries qui vous distraient de votre fichu job. Ah, c'est parti. Non. On n'a pas la liste. C'est tout noir ici. Ring. Ok, me revoilà. Une autre salle dans le noir, hein. Pas d'inquiétude, c'est déjà réglé grâce à mes compétences en piratage. Ah. Sérieusement? Ah oui. Bonsoir mes belles et mes beaux. Ici Metaton en direct de MTT News. Il se passe quelque chose d'intéressant à l'est de Calciter. Par chance, il s'avère que notre reporter s'y trouve en direct. Brave reporter, trouve-nous un scoop intéressant. Nos 10 merveilleux spectateurs t'attendent. Salut. Les ballons, c'est l'éclate, pas vrai, trésor? C'est bien triste que tu ne puisses pas jouer avec ceci. Ce sont des ballons de basket de mode, fabrication MTT, à porter sur soi uniquement. Pour devenir aussi riche et célèbre que moi, il faut savoir embellir les balles. Faire un reportage là-dessus. On va voir ailleurs pour l'instant. Ah. L'occasion parfaite pour une histoire captivante. Je peux déjà voir le gros titre. Quelque part, un chien existe. Je trouve ça détonnant, honnêtement.
on va voir ailleurs quand même. Voyons voir toutes les options. Au ciel, un cadeau. Et il t'a adressé trésor. Ça alors, tu en as de la chance. Que peut-il bien contenir? Il n'y a qu'une façon de le savoir à présent. Petit jeu de mots. On regarde d'abord, on regarde. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, ce jeu vidéo que tu as dégoté, c'est vraiment de la bombe. Malheureusement, je n'apparais pas avant le début de la fin. Mais ça me plaît. Descendre des cieux tel une manne, abreuvant le public de mon image robotatique. Oh, du métatone tout craché. Regarde ce qu'il y a d'abord. La Bible. Ah non. Mince. Oh non, ce script de film, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est une preview croustillante de mon prochain film qui sera assurément de la bombe. Métatone, le film avec en vedette Métatone. Alors, je vais essayer de lire. Il y a marqué 28. Ah. Je suis chiant à lire en fait, c'est pour ça que... Bref. D'après ce que j'en sais, tout comme les autres films, ce dernier mettra surtout en avant 4 heures de chute de pétales de rose sur mon corps allongé. Oh. Oh, mais rien n'est encore confirmé. Tu ne voudrais pas spoiler mon film avec un shot promotionnel, dis-moi. Oh bah. Si. Votre attention, cher public. Notre reporter a trouvé un script de film. Oh là là, on dirait le script de mon dernier film. Dépêchons-nous de l'ouvrir sans plus attendre. Découvrons cette exclusivité. Une bombe. Oh, mais qu'est-ce donc à l'intérieur? Ce cliquetis, cette tige allumée. Oh là là, je suis passé à côté du sens profond du film. Ce script que tu détiens est une véritable bombe. Et le box-office qu'elle va exploser, c'est toi. Mais pas si vite. Vous n'avez pas encore vu le reste de la salle. Au ciel, il semblerait que tout dans cette zone soit en fait une bombe. Ce chien est une bombe. Ce ballon est une bombe. Même mes mots sont... Brave reporter, si tu ne désamorces pas toutes ces bombes, cette grosse bombe te réduira en miettes d'ici 2 minutes. Après quoi, pour les lives, ça risque d'être un peu mort. Quelle tristesse, quelle horreur. Nos 9 téléspectateurs vont vraiment adorer. Bonne chance, trésor. Ring. Ne t'en fais pas. J'ai installé un programme de déminage sur ton téléphone. Appuie sur désamorcer quand la bombe passe dans la zone de déminage. Allez, tu sais ce qu'il t'a à faire. Allez, go. Non. Voilà, j'ai déminé. Bien joué. Continue de faire le tour de la salle. Essaie d'avoir celle en bas à gauche maintenant. Bas à gauche. Non, j'ai pas en bas à gauche. Je vais où je veux. Il y a un verre qui se promène. Merde. Voilà. Ok. Allez, on y va, on y va. Ah, il y avait le verre là. Viens là, toi. Hop. Ok. Le cadeau. Ok. Là, il y a le ballon. Merde. Tac. Ok. Oh, il reste 23 secondes. Au travail, va faire le sound maintenant. J'utilise un champ de force magnétique pour stopper le verre d'eau. J'y vais. Nice. Merci. Verre d'eau extrêmement agile. Ah merde. Non. Nice. Bien joué, trésor. Toutes les bombes sont désamorcées.
Si tu n'avais pas réussi, la méga bombe aurait explosé au bout de 2 minutes. Mais désormais, elle n'explosera plus dans 2 minutes. En fait, elle explosera dans 2 secondes. Ce fut un plaisir, Trésor. Oui. Ah. Il semblerait que la bombe ait un souci technique. Ring. C'est parce que... Pendant que tu faisais ton monologue, J'ai changé. Oh non, tu as désactivé la bombe grâce à tes talents de hacker. Ouais, c'est exactement ça. Malédiction, me voilà de nouveau totalement désemparé. Maudit sois-tu, humain. Maudit sois-tu, docteur Alphys, toi et ton aide précieuse. Mais je ne maudis pas mes 8 braves téléspectateurs pour leur fidélité. À la revoyure, Trésor. Waouh. Waouh. On lui a donné une bonne leçon, hein. Je sais que j'ai pas fait la meilleure première impression. Mais je crois que je deviens beaucoup moins hésitante à te venir en aide. Ne fais pas attention à ce gros robot stupide. Je l'empêcherai de te faire du mal. Et s'il faut vraiment en arriver là, il suffira de non, rien. À plus. Clic. Ok. On va voir la bombe. Elle fait rien, la bombe. Bon, d'accord, elle fait rien, la bombe. Où vais-je? Où fuis-je? Où est-ce que je dois aller? Par là? Ça doit être par là, ouais. Bon, bah, c'était rigolo, ça. Une petite émission, là, comme ça. Bon, on a l'air de se rapprocher du noyau, quand même. Ring. J'ai remarqué que tu ne disais pas grand-chose. Tu t'inquiètes à propos de ta rencontre avec Asgore? Ben, ne t'en fais pas, d'accord? Le roi est vraiment quelqu'un de bien. Je suis sûr que tu arriveras à le raisonner et... Avec ton âme humaine, tu peux traverser la barrière sans problème. Alors pas d'inquiétude. Garde le sourire et oublie ces histoires. Mais oui, t'inquiète. Je suis le smile. J'adore sourire. Ok. Choisir un étage. Gauche 3. Ben ça. Alors. Ouh. Bonjour. J'ai fini par acheter un donut. Je ne voulais pas, mais cette fille, même quand je lui ai dit non, elle a continué à me regarder avec cet air flippant, tout en se léchant les babines. Et maintenant, je n'ai plus d'argent. Ah. Acheter un... Ouais, ça coûte cher. Ah, ça coûte très cher, madame. Bienvenue dans notre salon, mon sucre. Désirerais-tu goûter... Baguette. Une de nos arachno-pâtisseries. Tous les achats iront au profit des araignées. Bah écoute, on dirait une sorte de bracelet de force. Ah, ce n'est qu'un croissant. D'accord. C'est un arachno-donut. Il semble un peu plus caoutchouteux que d'habitude. Bah moi je veux bien. Nos articles sont exposés sur la toile. Bah c'est très cher, madame. Tous les fonds récoltés reviennent à de vraies araignées. Mais c'est très cher. Je peux pas acheter. Je suis désolé. Oh, le retour. Ring. Salut, c'est Alphys. Cette salle est comme celle qu'on a vue avant. Il y a 2 énigmes au nord et au sud. Tu vas devoir les résoudre pour continuer. Sinon, j'aimerais te dire que... Je n'aime pas vraiment donner les solutions des énigmes. Mais si tu as besoin d'aide, appelle-moi, d'accord? En fait, attends, j'ai une idée. Devenons amis sur Internet. Tu n'auras plus qu'à me bipper quand tu auras besoin d'aide. Mais attends, on est déjà amis, non? Parce que je t'avais déjà créé un compte. Du coup, tu lis mes posts depuis le début. Bon, ben, j'espère que tu es du même avis. Pour mieux d'eux. Oui, je suis totalement d'accord, c'est une honte, c'est... Voilà, c'est... Voilà. Ah non, on peut pas aller ici.
par là. Ici, là. Allons voir ici. Alors, qu'avons-nous? Un combat. Thunderplane. Et un Volcalin. Ok. Ok. Bah écoutez, on va fuir. Parce que voilà, j'ai pas envie. Ah, c'est ça. Ok. D'accord. Bon, ça va être plus compliqué que avant. Ouais. J'ai qu'un seul coup. Voilà. Nickel. Ah, salut. Mon moment Metaton favori, quand il pose dramatiquement alors que tout semble perdu. Genre, comme quand il fait son émission de cuisine et que les œufs n'ont pas été bien cuits. D'accord. Mon moment Metaton favori, c'est quand il tape sur les méchants du show. Même si ça arrive en plein, durant un soi-disant quiz télévisé. J'ai du mal à lire. C'est pas grave. Allez. Allons vers le sud. J'espère. Faut aller tout en bas. On va aller par là. Hop. Voilà. Nickel. Ok. Ok. Ring. Et ça n'a pas vraiment de rapport avec la situation, mais dis, ça te dirait qu'on regarde une série télé humaine ensemble? Un de ces quatre. Ça s'appelle Miu Miu Mimi Bisou. Ouais, carrément. Sérieux? C'est vraiment bien. C'est ma série préférée. Ça parle d'une fille humaine, Miu Miu, qui a des oreilles de chat. Les humains n'en ont pas, du coup ça la rend vraiment complexée. Mais genre, à la fin, elle se rend compte que ses oreilles ne changent rien, que ses amis l'apprécient malgré ses dernières. C'est super émouvant. Spoilers, et aussi, ça peut paraître bizarre, mais elle possède le pouvoir de contrôler l'esprit de tous ceux qu'elle embrasse les gens pour les contrôler et régler les soucis. Personne ne se souvient de rien après s'être fait embrasser, tu vois. Mais si elle rate son baiser, alors là. Alors, je veux dire, en fait... Finalement, elle réalise que contrôler les gens... Bon, ok, j'ai presque spoilé toute la série, là, mais... je pense que tu pourrais vraiment aimer. Je n'ai pas appuyé sur le bouton depuis tout à l'heure. Ça a défilé tout seul. On devrait regarder ça, une fois ton périple terminé. Ouais, carrément. Alors... Ouais. Attends, on va y arriver. De base, c'est pas très compliqué. Voilà. Nickel. Ah. Salut. Vous vous arrêtez pour sortir les fleurs. D'accord. Très bien. Bon. Du coup, faut aller à droite, c'est ça? Vu qu'on a réussi les deux énigmes. Nickel. Et un point de sauvegarde. Nickel. Il flotte dans l'air une odeur de toile d'araignée. Cela vous emplit de détermination.
Est-ce que je continue ou pas? Parce que je pense me souvenir de ce qu'il y a là. Mais non, je pense que je vais m'arrêter ici. Je le laisse pour le prochain épisode. Voilà, je vous fais un petit peu languir du « Oh non ! On veut le prochain épisode !» Mais il faudra attendre. Voilà. Parce que voilà, j'aime bien. J'ai envie d'être sadique. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode d'Undertale vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Et moi, je vous retrouve très vite pour la suite d'Undertale. Allez, salut tout le monde !